prise et c'était une galère. Donc voilà, donc on va voir ce que ça a donné. Écoute, on demande hâte de voir ça. On te voit de la force. Bah, du peu qu'on voit, ça a l'air quand même bien. Sur, Ah, ça, c'est mon talent. Voilà. De ce que j'ai vu, j'ai mis des flammes. J'ai mis des flammes en commentaire. Montage, c'est magique. Hein. C'est ça. Donc voilà. Ok. Alors, du coup, équipe étant au complet, nous allons recevoir notre troisième et dernier artiste qui est Joshua. On va switcher avec Lily. Moi, ma place est chaude comparée à celle de Dita qui laisse pas. Non, mais en fait, je suis fatiguée, donc j'ai même pas le temps de calculer ça. Je suis tellement fatiguée. C'est pas grave. Allez, on switch. Merci, Dita. Joshua arrive. En tout cas, je voulais passer un petit message à Dita parce que ton petit clip là, très bien, ton dernier son. Minuit. Ouais, franchement, c'est stylé. Hein. Très bien. Très j'aime trop, ça ambiance trop. Ah ouais, de ouf. Franchement. Je l'ai mis dans ma petite playlist. J'ai ma playlist Good Mood là pour, tu vois, quand le matin t'es. Comme dit tout le monde, on n'a jamais envie le matin. Mais il y a des matins où vraiment t'as pas envie. Bah, j'ai ma petite playlist Good Mood. Là, c'est vraiment Good Vibe. Mais moi, j'ai c'est la playlist que je mets bien fort le matin et après t'es un peu en mode ouais, vas-y, c'est bon, la journée va être cool. Je crois que je suis pas la seule fatiguée. Je suis là, t'es fatiguée. Hein. Pas toi aussi. Ouais. Non, ma musique de croisière, c'est une musique spéciale. Oh, c'est une musique de Empire, t'as pas la ref. Non, c'est parce que c'est une musique qui parle de croisière en vrai et que j'ai découvert quand on était sur un bateau. Donc du coup, je l'ai réécouté et après, je l'ai cherché. Là, on était au milieu de la mer, je pouvais pas télécharger. Donc j'ai réécouté dans l'épisode, elle en pouvait plus. Et en fait, je l'écoute tout le temps, donc à chaque fois qu'on va en croisière, elle me dit oh là là, ta musique de. Mais la chanson s'appelle Cruise, c'est pas ma faute. Non, mais déjà, te plains pas parce que moi, à 6h du matin, quand je suis arrivé à l'hôpital, Dita. Tournais dans la voiture à 6h15 et me dit. J'ai pourri tout l'hôpital avec son tout ce qu'il fait, j'avais des aides-soignants qui dansaient dans mon bar. Non mais c'est cool parce qu'en fait avec l'émission ça nous fait découvrir plein de gens et après univers c'est différents et c'est mortel. Donc c'est ça que j'aime bien. C'est bien parce que c'est toujours des gens qui sont ultra motivés, qui vivent de leur pour leur passion et ça je trouve ça génial en fait. Franchement c'est mortel. On en apprend en fait des gens comme ça parce que c'est des gens qui sont humbles. Et franchement ça fait plaisir de rencontrer différents artistes, différents univers, différentes manières de penser. Puis pas forcément des artistes qui ont commencé à rapper à 2 ans dans leur berceau, comme on entend souvent. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a une grosse diversité. Et d'ailleurs, accueillons maintenant notre troisième artiste, Joshua. C'est Kéran ou Kéran ? Kéran. Joshua Kéran. Ed Sheeran. Non, je me suis dit, on sait pas. Hein, tu vois. Moi, je dirais que j'ai dit Kéran, mais en vrai, j'étais pas trop sûr. Non, mais c'est ça, t'as bien raison. C'est ok. Bien ça va, Joshua ? Ça va super, je suis fatigué. Comment on fait ? Mais tout le monde est éclaté. C'est parce qu'en fait, dans ton cerveau, on est en juillet, c'est les vacances. Donc ton corps, il se dit, c'est le moment de. Mais non, mais peut-être qu'il est en train de sortir un prochain single, un prochain titre très bientôt et qu'il est à fond dessus. Non, je sors de mes études. J'ai fini cette année. Bon, ça y est, j'ai peut-être trouvé un bon titre. Je suis fatigué. Super stylé. T'inquiète pas, il y a des jours comme ça. Mais bon, on est tous fatigués. C'est la période. Non, franchement, je suis fatigué. Moi, après, je sais pas quel âge vous avez. Vous êtes trop jeune pour être fatigué. Oh, laissez-nous. Nous, on est des tantines. On a l'air d'être fatigués comme ça. Ah, ça se voit pas. Ça va. J'ai 40 ans. J'ai une fille au collège là. C'est elle est mignonne. Elle me dit je suis ouais, pas c'est vieille. La baby crème. C'est la sorcellerie. On boit du sang. On mange du singe. Tout ça. Ah, ça conserve. Demandez à Farel. J'avoue. Le mec, il commence à avoir des cheveux blancs. Tout le monde est choqué. Tout le monde est là. Ah, enfin, il vieillit comme un être humain. Il a arrêté de boire du sang, il y a pénurie, tu vois. Les gens, ils sont choqués. Il dit, mais laissez les gens. Il vieillit doucement, laissez-le. Les gens, dès qu'ils ont vu le cheveu blanc, le mec, il était bête de tenue, tout. Les gens, ils ont tilté que ça. Ah, le mec, enfin, il a des cheveux blancs. Il dit, ah, il a arrêté de boire du sang, il n'y a plus. Avec le Covid, là, il n'y a plus. Bon, bah alors, Joshua, du coup, Gwen va s'occuper de ton interview. Je t'ai piqué à l'oeil. Voilà. Les trois invités ont été choisis par moi aujourd'hui. Je suis gentil. Voilà, c'est ça. C'est elle la pire en général. Mais elle s'adoucit. Non, mais Dita, c'est parce que, comme à la base, c'est mon invité, elle fait doucement. Parce que quand c'est ses invités, elle est maltraite. Qui ? Elle, là. Moi, je suis c'était moi. Voilà. La sorcière de Salem, tu vois. Oh, voilà. Tu vas trop loin. On n'a pas dit ça, madame. Si, il faut dire. Si, il faut dire. C'est la vérité. Au moins, elle sait.
Donc là, là Gwen elle, elle est gentille. Et Gwen est fatiguée ce soir. Franchement, Gwen est fatiguée. Ok. J'avoue, je crois même que là, tu as interviewé tout seul. Vu comment je suis fatiguée là. Je suis un pan de toi. Alors, fais ton interview. Bon, alors, tu sais quoi, je vais faire ma feignante. Joshua, présente-toi pour ceux qui te connaissent. La technique de Lily. Non, mais sérieusement, j'ai horreur de cette phrase. Technique de Lily. Mais eh, vas-y, présente-toi tout seul. Et réveille-moi quand t'as fini. Attends, je peux le dire ou pas quand t'arrives à ta place? Non, sérieusement, Joshua, pour ceux qui vraiment te connaissent pas et qui ne connaissent pas tout ce que tu fais, ton univers et tout, je veux bien que tu te présentes, s'il te plaît. Ben, je m'appelle Joshua Kéran. Yes. Artiste tout juste émergent de la scène afro-caribéenne. Je fais une musique, enfin, c'est un genre de cocktail métissé, façon, donc un peu de R&B, un peu de zouk. Afrobeat. Un petit peu d'afrobeat aussi. Bientôt du compas. Ah, attention. Compas. Ah, attention, ça sent le feat. T'as gâté le message. C'est contagieux. Attention. Là, je vais plus monter dans ta voiture. Oh, quoique, non, maintenant ça va. Sauf que je vais choisir moi une partie des sons, c'est mieux. Comme ça. Donc bah, maintenant j'ai le permis. Guyade, quoi. Guyade. Ouais, Guyade. Ouais, ah, c'est la force, hein, le Guyade. Je suis pas encore dans la dynamique. Pour l'instant, je suis. Alors, on me réclame beaucoup dans le zouk. D'accord. Donc, du coup, je me concentre un peu plus sur ça, même si que j'aime pas faire que ça. Je suis assez divers et varié. Donc, pour l'instant, on fait du zouk. D'accord. Voilà. En majorité. D'accord. En majorité pour l'instant. Ton dernier titre sorti, c'est quoi? Tout pour nous. Super beau le clip. Très très beau. Ouais. Très très beau. D'ailleurs, tu l'as tourné en France? Ouais, en Normandie. Ah. C'était horrible. Ah, mon ami, c'est la Normandie. Il n'y a pas la Normandie. Il y a si vous nous écoutez, balle perdue. Non, c'était chaud. Non, mais j'avoue, il avait pas l'air de faire très très beau, très chaud sur la plage. Attends. Moi, je vais juste dire un truc. Attends. Parce que moi, je vais dire, toi, t'es méchant. Pourquoi? Parce moi, que sur ce clip, dit des trucs mauvais. Non, attends, moi, j'ai juste un truc qui m'a choqué sur ce clip. C'est quoi? Moi, je veux savoir. Parce que t'as dit effectivement que c'était affreux. Mais t'as pas honte, franchement? Vous êtes dans la maison, vous chantez, on sent la fumée sortir de votre bouche. Ouais. Tu vois la modèle, elle est bustier, toi t'as gros col roulé, veste. Non, t'as c'est méchant. T'es escroc. Non, ah, t'as ça, un pas escroc comme ça, j'ai fait. Sérieux? Mais c'est pas moi, c'est le stylisme. Ah, donc tu t'es préoccupé pas? Non, parce qu'elle, il faut qu'on voit. On est tombé malade sur le plateau. Là. Ah, okay, ben voilà la chose. Mais c'était chaud. Elle avait pas droit au col roulé ni à la veste. Toi, avec le col roulé plus la veste, t'es tombé malade. Ouais. Parce qu'en non, fait, mais Normandie, avec s'il fait froid avec la plage et tout, c'est chaud. En fait, on a fait les prises de plage avant et il pleuvait. Voilà, pauvre dame. Le temps était. Non, mais c'est ça que des fois on dit aux gens, c'est sur les clips, quand tu vois le résultat, tu crois trop, c'est stylé. Grave, mais. Moi, ça m'est arrivé comme ça, clip piscine et tout, il faisait froid, piscine. Extérieur en septembre, toi t'es là, dans le truc, tu nous vois, j'étais malade pendant 10 jours après. C'est ça. Ah ouais. Bah, c'était un magnifique château, mais on n'a pas pu profiter parce que j'ai dit, vas-y, on a fini le tournage, on se casse parce que je peux plus en fait. J'ai dit, on se casse. Donc elle était d'aller en Normandie aussi, pourquoi elle est en Normandie? Non, parce que c'est là qu'on a trouvé le château. Oui, en plus, t'as des beaux paysages. Il y a des beaux châteaux à Compiègne. Dans l'Oise, hein. Mais le budget, maman. En Normandie, c'est moins cher. Il est indépendant, le pauvre. C'est vrai que le budget, peut-être, dans l'Oise, ça doit pas être. Franchement, c'était un truc. Il proposait même de nous héberger, mais on a dit non. Tellement c'est trop frais. Ça veut dire non, pardon. Ah ouais, là, ça veut dire c'est vraiment chaud. Jusqu'à il te propose, sinon merci. Ça va aller, je rentre pas Paris. Airbnb, habit, zéro pointé. Non, mais souffrance! Le clip était beau! C'est quoi quand tu vas devoir faire des scènes en Normandie? En été seulement. Zéro. Été. Et encore été, de la plage. Choisis bien ton jour. Si tu vois, il fait 25 degrés, mytho. Ça, c'est 25 degrés. Facteur vent. Faut faire en intérieur. Ah ouais, d'accord. Non, je vais re-regarder le clip. Mais franchement, quand j'ai dit ça, j'étais choqué. J'ai fait non, franchement, ça se fait. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'elle était à soi sexy. Ouais, je sais, tu mais connais. Quand même. Mais en buste. Tu sais, si tu lui mets un petit truc, une petite baisse. Non, parce qu'on voit. Non, faut qu'on voit tout. Ça va, c'est ça. Et puis bizarrement, mec beau gosse, ça va être. Tu sais, col roulé, veste et tout. Mais la meuf, faut qu'elle. Mais tu sais qu'à la base, j'ai horreur de ça. J'aime pas voir, par exemple, des gars sur des clips qui sont grave habillés. Mais le modèle est dénudé. Je comprends jamais le. Bah, tu vois, maintenant, t'as compris. Ça veut dire que là où ils sont aussi, peut-être qu'il faisait froid. À la base, j'ai horreur de ça, mais bon, là pour le coup. Mais elle était pas dénudée, elle était classe, mon modèle. Elle était on a pas dit qu'elle était pas classe, mais juste pour qu'elle, elle était moins couverte. Donc, du coup, pour attraper froid. On était dans le thème, non? Enfin, tenue. Si toi t'es en col roulé, ouais, mais col roulé. Il y a des col roulés pour les filles aussi. Hein. Voilà, ouais, j'avoue. Qui font sexy. Ouais.
Ah, pour information. Près du corps. C'est pas de ma faute, c'est le stylisme. En tout cas. Ah, donc d'accord. Donc, en fait, il est même pas là pour se défendre, le pauvre, t'as vu, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est ça. La Normandie, c'était pourri, le styliste, il a pas fait le job. Il y avait le seul point négatif de ce clip, c'est le temps. Le temps, la température, sinon c'était. Ouais, bon, en tout cas, vous avez souffert, mais en tout cas, le visuel est très très beau. Le clip, vous avez bien joué. Malgré tout, on ne vous voit pas sur les images que vous souffrez en tout cas. Ouais, grave. Franchement, c'est ça dans les clips. Génial. De fou, de fou. Donc toi, t'es originaire de la Martinique, Martinique. Martinique. Combien de temps que t'es en